Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour parler un peu d'Amérique latine. J'espère que ça va nous réchauffer tous un peu. Alors, la grande et bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, Virtuality s'internationalise avec une première édition à l'étranger, à Buenos Aires, les 7, 8 et 9 juin 2018, en coproduction avec la mairie de Buenos Aires. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur le salon. Je vais vous faire un petit panorama rapide du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en Argentine et sur la zone LATAM. On a Buenos Aires qui est en train de se transformer en la capitale économique de la zone LATAM, avec tous les GAFA qui maintenant s'implantent à Buenos Aires. On a Facebook, Microsoft, Google qui ont mis leur siège à Buenos Aires au détriment des pays limitrophes, et avec Amazon qui vient d'ouvrir un bureau il y a quelques semaines. On a aussi un nouveau gouvernement qui a libéralisé l'économie et qui a ouvert l'économie argentine qui était encore assez fermée il y a quelques années et qui prend pour modèle le modèle français de Startup Nation. Buenos Aires est la ville la plus aussi accessible d'Amérique du Sud, avec des vols directs pour toutes les capitales d'Amérique latine, mais aussi des vols directs pour toutes les capitales européennes et les États-Unis. Enfin, l'Argentine est vraiment connue, un peu à l'image de la France, pour sa qualité de production de contenu. C'est le cas pour les agences de communication, c'est aussi le cas pour la création d'animations, de jeux vidéo, de production ciné, et comme on va le voir, de réalité virtuelle aujourd'hui. On a en effet un secteur de la VR et de l'AR ultra dynamique aujourd'hui en Argentine. Rien qu'à Buenos Aires, on a 80 studios qui se sont créés ces deux dernières années. Alors, je vous encourage à aller voir dans le village international, aux écuries, le stand de 13 d'art, qui est, à mon sens, un des meilleurs studios de production argentins, et vous pourrez avoir un aperçu de la qualité de leurs travaux. On a Globant en Argentine, qui est une des quatre licornes argentines, et qui s'intéresse de plus en plus aux technologies immersives, et qui est aujourd'hui le leader en Amérique du Sud de la production de contenu immersif et de réalité augmentée. Une autre spécificité très argentine, c'est la mise en place de dômes dans de nombreux événements. C'est-à-dire que depuis que je vis depuis 7 mois en Argentine, je pense avoir vu une dizaine d'événements, organisés notamment par la mairie de Buenos Aires, avec des dômes immersifs. On a encore peu de casques dans le grand public, donc on utilise beaucoup ces dômes qui permettent de faire entrer beaucoup de personnes. Et c'est vraiment la spécialité argentine. Et du coup, les vidéos 360 sont vraiment ancrées de plus en plus dans le quotidien des Argentins. Enfin, on a 4 salles d'arcade VR qui ont été ouvertes en 2017. Donc on a vraiment un marché qui se développe, à l'image aussi de ce qui se passe dans le reste de l'Amérique latine. Alors derrière l'Argentine, on peut trouver dans l'ordre, on va dire, dans la création de contenu, on a le Brésil, le Chili, le Mexique et la Colombie, qui sont les autres fers de lance. On recense environ 400 studios de production de réalité virtuelle ou augmentée en Amérique latine. Et on a Linca qui est l'équivalent du CNC français en Argentine, qui est en train de créer un guide ibéro-américain de tous les studios de production. Et ce guide sera présenté à Virtuality Buenos Aires au mois de juin. Il y a de nombreuses capitales qui ont mis en place des festivals de ciné-VR. Trends Ventana Sur, qui est partenaire de Virtuality à Buenos Aires, Indiebox à Bogota, ou encore HyperVR à Rio, également partenaire de Virtuality. Du coup, les études s'engagent sur une croissance de 50% du marché d'ici 2022. Donc on a vraiment un marché émergent, à fort potentiel, et pour revenir sur Virtuality, on n'a aucun autre événement VR, B2B, comme le peut être Virtuality, et multisecteur qui n'existe dans la zone LATAM. Alors, Virtuality Buenos Aires, ça sera donc au mois de juin, les 7, 8, 9 juin, en coproduction avec la mairie de Buenos Aires, avec un autre partenaire fort qui est l'INCA, donc le CNC local, et également avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français, qui vont mettre en place un village français au sein de Virtuality Buenos Aires.
On a également le soutien de la French Tech Argentina qui s'est créée il y a quelques mois. Alors, le concept de Virtuality Buenos Aires est vraiment calqué sur celui de Paris, avec 3 jours de salon, 2 jours B2B, 1 jour grand public, qui est une volonté forte aussi de la ville de Buenos Aires de démocratiser la réalité virtuelle et la réalité augmentée en Argentine. L'objectif est de réunir environ 80 exposants de la zone LATAM, d'Argentine, mais aussi d'Europe, avec notamment la mise en place du village français. Et à l'image d'ici, avec des espaces thématiques, marketing, ciné, éducation, jeux vidéo et santé. Une salle de conf où on espère faire venir environ 40 speakers du monde entier et la zone de networking qui est un des éléments centraux de Virtuality. Alors les 3 objectifs, c'est d'être évidemment accélérateur de business, de faire se rencontrer les exposants et les visiteurs pros, de fédérer les projets communs et les aider à se développer, de démocratiser l'AVR et l'AR et l'AMR dans la zone, notamment avec le jour grand public, et de positionner Buenos Aires comme la capitale des technologies immersives sur la zone LATAM. Un autre grand objectif du salon, c'est de développer les interactions entre la France et la zone. On l'a vu, il y a des grosses synergies entre la France et l'Argentine sur la production de contenu, où les deux pays sont très forts. Donc l'objectif pour les entreprises françaises, il est double là-bas. Soit évidemment de trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés, soit de coproduire des productions franco-argentines, ce qui est un axe important et que les Argentins sont vraiment en recherche de coproduction avec l'Europe et notamment la France. Le village français mis en place par l'ambassade de France et l'Institut français, avec déjà quelques sociétés françaises qui ont confirmé leur présence. On a par exemple Timescope, que vous pouvez voir en bas dans les écuries, avec la borne, le dispositif Timescope, qu'on va essayer de mettre en place à Buenos Aires, à l'image de ce qui s'est fait à la Bastille avec Timescope. On va essayer de la mettre en place pendant quelques semaines, Plaza de Mayo. Donc, Plaza de Mayo, c'est l'équivalent du carrefour de l'étoile, on va dire, en France, avec la borne et dans la borne, un contenu argentin, immersif, qui a été produit par la mairie de Buenos Aires, et qui va nous permettre de voir la Plaza de Mayo telle qu'elle était il y a 200 ans, peu après l'arrivée des colons espagnols, italiens et français. Pour aller plus loin, en 2019, on aura la mise en place d'un village argentin au sein de Virtuality Paris, avec la ville de Buenos Aires invitée de Virtuality Paris. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses et de synergies possibles entre les deux pays. Je vais également parler de l'initiative Cap Argentine. Alors, c'est une initiative de l'ambassade de France et de l'Institut français qui va permettre à des startups françaises, multisecteurs, mais bien sûr également VR et AR, de venir passer une semaine à 10 jours à Buenos Aires, de disposer d'un stand sur Virtuality Buenos Aires et d'avoir beaucoup de réunions programmées avec l'aide de la ville de Buenos Aires, avec l'aide de l'ambassade de France et avec l'aide de Virtuality, bien sûr. Donc ça sera du 4 au 10 juin environ. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler après la conférence. Pour terminer, j'aimerais vous montrer un extrait de ce que sont capables les Argentins, et notamment le studio 13Dar, qui est donc dans le village international en bas, et que je vous invite vraiment à aller voir. Donc si on peut voir la petite vidéo, vous allez avoir un petit aperçu de ce qu'ils peuvent faire. Ah, on a une vidéo normalement. On n'a pas de vidéo. Bon, on n'a pas de vidéo, bah, c'est pas grave. Donc vraiment, allez voir 13Dar, sera plus simple. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'en poser. Merci. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe de Virtuality Paris qui me soutient à distance tous les jours. Donc, merci à eux. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, bah, merci à vous.